Good morgen, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui le nuit, Shabbat Richard de Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, et Avraham Ben Shushan. Si vous souhaitez vous citer une prochaine d'une Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Rosh Hashanah, Perek Gimel Mishnah Aleph. Ra'uhu Bet Din Vechol Israël, Nerkeru Ha'edim, Velo Ispiku Lomar Mekudash, Ad Shecha Shecha, Un Reize Me'ubar. Ra'uhu Bet Din Bilvad, Yamdu Shnaim Ve'yaidu Bifneem, Vimru Mekudash Mekudash. Ra'u shlosha vehen bet din, yamdu ashnaim veyoshivu mechavereihem etzel hayachid veyaidu bifneihem veyomru mekudash mekudash, she'en hayachid ne'eman al yedei atzmo. Deux sujets dans cette Mishnah. D'abord, c'est entre parenthèses, c'est la dernière Mishnah qui va parler du Kiddush HaKodesh, et dès la prochaine Mishnah, jusqu'à la fin du Perek, on est dans le dernier Perek, on va parler que des Ilchot du Shofar et de la Tfilah de Rosh Hashanah. Dernière Mishnah, donc sur la Mishnah, sur le Kiddush HaKodesh, la manière de sanctifier le nouveau mois, avec un premier sujet d'abord, la nécessité de décréter que le mois a été sanctifié en journée. La Mishnah me dit Ra'uhu Bet Din Vechol Israël. On va prendre le cas le plus extrême. Le Bet Din, il était là au Bet Din, il a regardé par la fenêtre, il a vu le renouvellement de la lune. Vechol Israël, et tout le peuple d'Israël, ils étaient tous à Yerushalayim, on a tous vu la lune aussi. Et mieux que ça, il y a eu des témoins qui sont venus, Nerkeru Edim, on les a interrogés, on a déjà posé des questions. Et malgré tout, Velo Ispiku Lomar Mekudash Mekudash, on n'a pas eu le temps de décréter que le mois il est sanctifié, que Hachera Hachera, jusqu'à ce que la nuit elle est tombée. On a traîné, il y a eu une alerte, on a dû courir dans les bunkers, on faisait, peu importe. Le Bedin n'a pas eu le temps de trancher que Mekudash dans la journée, puisque la nuit d'après elle est arrivée. Donc en fait, on était dans la journée du 30e jour depuis le Rosh Chodesh précédent. En théorie, on aurait pu décréter que aujourd'hui c'est devenu Rosh Chodesh, Kaftetu de Beteshtag, on les a passés, on a vu le renouvellement lunaire, on l'a pas fait, et on arrive au 31e, et on est déjà entré dans le 31e jour, et bien c'est trop tard. A Reze Me'ubar, le mois a été. Comment dire. A été. Il a été décrété en mois de 30 jours. Mais au bar, c'est-à-dire qu'il est devenu enceinte. Parce que un mois trop long, c'est comme si qu'il est enceinte. Donc le mois, il est comme si, il est décrété comme mois de 30 jours. Donc on décrétera au Rosh le 31e jour le lendemain. D'accord? Donc première halakha, de la nécessité de décréter que le mois, il est qu'on démarre le nouveau mois dans la journée, sinon c'est différé au lendemain. Maintenant, on va entrer dans des halakhot assez particulières. C'est toujours lié au même principe, bien sûr, sur la nécessité de voir l'une et d'avoir les témoins, mais avec un cas particulier. D'abord, je traduis les deux cas de la Mishnah, après on les explique un peu mieux. Ra'uhu Bet Din Bilvad. Le Bet Din tout seul l'a vu. Le Bet Din, ils étaient là en train de débattre ou de boire un café au Bet Din, pour X ou Y raison, ils ont vu la lune dehors. Ra'uhu Bet Din Bilvad. Mais il n'y a que eux qui l'ont vu. Yamdu Shnaim. Veyaïdou Bifneem, alors je traduis la Mishnah littéralement pour en expliquer un peu mieux la mise en scène, mais il faudra que deux des trois juges, parce qu'il y avait trois, un Bedin, c'est trois juges, il faut que deux des trois juges se mettent debout devant. Non, il faudra nécessairement que deux personnes viennent, et. Excusez-moi, je corrige. On parlait qu'il y avait un Bedin, il y avait plus que trois, il y avait 23 même, si vous voulez. D'accord? Il y avait plein. Et bien malgré tout, même si tout le Bedin il a vu la lune, ça ne marche pas de trancher que le mois il est sanctifié, mais il faudra que quoi? Il faudra que Yamdou Shnaim, que se lèvent deux parmi les juges, Veyaïdou Bifneem, ils vont témoigner devant les juges. Soit, si on était par exemple, il y avait 23 juges, il va falloir que deux parmi les 23 se lèvent et témoignent devant les 21 autres restants, en leur disant, on a vu la nouvelle lune, et on va décréter que le mois il était sanctifié ainsi. Et alors, et le Bedin décrétera. Mekudash, Mekudash, le mois est sanctifié. Et autre cas de figure, Raouch, Locha, Vehen, Betidin, maintenant en cas où il n'y avait pas 23, il n'y en avait que 3. Et ils ont vu, et c'est eux le Betidin eux-mêmes. En théorie, ça suffit d'avoir 3 pour juger, pour décréter. Malgré tout, les 3 ils ont vu, ils ne pourront pas trancher que le mois il est sanctifié. Il faudra que nécessairement, Yamdu Hashnaim, il faudra que 2 se lèvent. Veyoshivu, Mechavereem, et qu'ils appellent de leurs amis, de leurs collègues, d'autres juges, à s'asseoir avec celui qui restait assis tout seul, en appelant au moins deux autres, donc, et Salayachid, Veyamdo, Veyoshibu, Mechavrem, et Salayachid, ils asseoiront
de leur collègue à côté de celui qui restait tout seul, et ils témoigneront devant eux, et alors le Bedin, les trois nouveaux juges, diront, Veyomro Mekoudash Mekoudash, et ils déclareront que le mois a été sanctifié. Pourquoi toute cette histoire? Parce que Shaena Yachid Neeman a aidé à ce mot, car un homme n'est pas cru de par soi-même. Alors là, on explique. C'est une halakha qui concerne tous les procès. Dans la Torah, on juge à partir de témoignages spécifiquement, pas à partir de preuves qui, même si elles sont assez fondées et assez logiques, ça peut faire office parfois pour prendre des décisions, mais en tout cas, mais quand on veut trancher, condamner quelqu'un à mort ou à le frapper, il faut nécessairement des témoignages. Même une caméra, ça ne marche pas comme un témoignage. Ça peut faire office de... D'accord ? Là n'est pas le problème, comment concrètement le Bedin va ensuite décider de s'intéresser. Mais il faut deux témoins qui témoignent, il y a des doutes très très rigoureuses. Ça doit être des hommes spécialement, ça doit être des hommes qui sont cachers, qui ne sont pas mérités les Shabbat, et qui viennent et qui témoignent pour pouvoir condamner. Sinon, même si on a une caméra de surveillance, on est quasiment sûr, malgré tout, ça ne fait pas office de preuve forte. Selon laquelle il y a un protocole en deux mots. D'accord ? Il faut les juges, les témoins, le condamné, et c'est comme ça que ça se passe pour tous les procès, en théorie. Dîner mamonote, c'est un peu différent, on peut trancher même avec simplement la connaissance. On ne va pas rentrer dans tout ce sujet, c'est un vaste sujet dans une trotte et doute. Tandis que pour les dîners nefashot, par exemple, ou en l'occurrence même pour l'alakha du Kiddush HaKodesh, il faut nécessairement ce protocole-là. Les juges assis, des témoins qui parlent, et selon ça, on va trancher. En l'occurrence, maintenant, ça marche pour toujours. Ça signifie que, alors je vais prendre un cas qui n'est pas exact, après je vais le préciser pour vous expliquer en quoi il va être exact. Imaginez qu'on a un bedin de 23 juges qui est là. Un soir, une nuit, c'est pas le moment de s'asseoir au bedin, on a tous les juges qui sont là. Ils voient Réhouven qui sort un revolver et qui tue Shimon. Le lendemain, on va l'amener au bedin. Il y avait 23 juges. Mais ils ne peuvent pas témoigner. Ils ne peuvent pas trancher. Il faut nécessairement que ce protocole-là, du bedding qui s'assoit, des 23 juges, il faut 23 juges pour condamner à mort, et deux témoins qui vont venir et qui vont raconter l'histoire devant. Le simple fait de savoir ne suffit pas. Même si on n'a pas de doute, on a tous vu ce qui s'est passé. Ça ne suffit pas parce que il faut nécessairement ce protocole-là, qui est comme ça, les juges et les deux témoins qui viennent. Maintenant, d'accord, ça il faut la note. Sinon, ça s'appelle qu'il faut, je vous dis tout à l'heure, il y a même des alertes spéciales par rapport aux témoins, il faut que les témoins, ils aient vu la scène, qu'ils soient tous les deux ensemble, parce que s'il y en a un qui est d'un côté, l'autre qui est de l'autre côté, que eux-mêmes ne se voient pas, ils ne peuvent même pas s'associer, alors qu'on a déjà les deux témoins cette fois-ci. Il y a des alertes spéciales dans Sanhedrin, que malgré tout, lorsqu'on est certain qu'il a tué, mais qu'on n'a pas les preuves assez pour le condamner à mort selon le Bedin, on a quand même d'autres solutions pour l'enfermer, pour lui faire toutes sortes de misères, et même lui provoquer sa mort même parfois. Pas pour la condamnation à mort spécialement, et là, il y a le protocole fixé par la Torah. Donc maintenant, je reviens. On a les 23 juges qui ont vu le meurtre pendant la nuit, ils ne peuvent pas témoigner. Il faudra nécessairement que parmi les 23, qu'il y ait deux juges qui vont se retirer. À la place, on va mettre deux nouveaux juges parce qu'il faut 23 juges. Et puis les deux qui sont retirés vont pouvoir enfin témoigner qu'ils ont vu la scène. Et selon ça, on tranchera. C'est une halakha. D'accord ? Il y a maintenant un cas particulier, et ça, cette halakha est vraie. Mais à condition qu'ils ont vu la nuit. Parce que s'ils voyaient la scène de jour, alors là, ça devient différent. Figurez-vous que là, lorsqu'ils vont voir, c'est compliqué à comprendre, c'est de la pure l'omdes. Mais je vous expliquerai en deux mots, quoi, très succinctement. Il y a une halakha que lorsqu'on voit la scène en journée, ça s'appelle qu'on reçoit le témoignage. Mais à condition que ce soit un moment où le bedin peut s'asseoir pour juger. Soit le bedin doit juger nécessairement en journée. C'est une halakha qui est fixée, il doit commencer à s'asseoir pour débattre en journée et pas la nuit. Il n'y a pas de beddin qui s'assoit la nuit. Et puis, lorsqu'il démarre en journée, alors là, c'est le moment où les témoins viennent. Ça veut dire qu'en fait, si le beddin s'assoit la nuit pour juger, pour débattre, et là, on va inviter les témoins qui vont témoigner, le beddin, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reçu des témoins. Il n'y a plus le protocole qui a été validé comme il doit être fait. Ils ont pris la connaissance que Réhouven, c'est un assassin, peut-être, mais en tout cas, ils n'ont pas eu la force du Beddin devant lequel témoignent deux témoins pour expliquer que Reuven pour leur exprimer que Reuven c'est un assassin. Ça, c'est une halakha.
Maintenant, adapté au bedin qui voit, ça sort que si le bedin voit durant la journée, le fait de voir, c'est comme si on commençait directement témoignage. Pourquoi j'ai besoin de m'appuyer sur Reuven et Shimon qui vont me raconter si moi-même de mes propres yeux je vois? Mais à condition que je suis juge en ce moment. C'est-à-dire que je suis, c'est un moment où je peux juger, c'est un moment où c'est la journée. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a reçu un témoignage, on pourra condamner à mort. Mais si on a vu pendant la nuit, donc pendant la nuit, on n'est pas des juges, c'est pas le moment de faire le procès. Du coup, lorsque j'arrive le lendemain et qu'on commence à débattre sur ce qui s'est passé, on n'a pas le protocole avec les deux témoins qui viennent témoigner. On tranche juste parce on a la conviction, on est certain que Reuven c'est un assassin, mais on n'a pas eu le témoignage qu'il fallait. C'est une halakha, c'est assez compliqué à expliquer. Il faudrait beaucoup philosopher même pour comprendre pourquoi c'est comme ça, parce que il y a une halakha aussi qu'il faut nécessairement voir l'action. C'est le même principe selon que, comme la Gemara raconte aussi, une fois Shimon ben Shattar qui avait vu quelqu'un courir dans une grotte avec quelqu'un d'autre avec un couteau dans le main. Une fois qu'il arrive, il voit l'autre sortir avec le couteau qui est tout saignant de sang et l'autre qui est mort par terre. Il avoue que même sur ça, on ne peut pas le condamner à mort, parce qu'il faut voir le couteau qui se plante. Il faut nécessairement voir là, même si c'est sûr et certain qu'il n'y a pas eu d'accident. On ne peut pas trancher, on ne peut pas condamner à mort avec la simple connaissance et conviction que c'est un assassin. Il faut nécessairement ce protocole-là, avec deux témoins qui ont vu la scène et qui la relatent, ou bien le bedin qui a directement vu, mais à condition que c'est un moment où il pouvait juger. Sinon, le bedin n'est pas un bedin. Donc ils ont juste une connaissance, ils ne peuvent pas trancher sur la connaissance. C'est le principe. Si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je ne peux pas vous aider plus que ça. Et maintenant, je réadapte ça par rapport au Kiddush HaKodesh. C'est le même principe. Si le Beddin, durant la nuit, voit le renouvellement de la lune, c'est pas le moment de trancher. Si c'est pas le moment de trancher, donc ils ont certes pris connaissance que la lune, elle s'est renouvelée, mais il faut nécessairement le protocole des juges qui s'assoient, des témoins qui racontent, et le Beddin qui va trancher, Mekoudash, Mekoudash. S'il n'y a pas ce protocole qui est réalisé, eh bien, on ne pourra pas sanctifier le mois. Il faudra nécessairement que parmi les juges, deux se retirent, qu'on mette à la place des nouveaux juges à la place, et que les deux vont raconter qu'ils ont vu. Maintenant, ça c'est lorsqu'ils ont vu la lune durant la nuit. Par contre, s'ils ont vu la lune durant la journée, que c'est le moment de juger, le partenaire y rapporte, ça rapporte dans la Gemara, ouais, on voit la nuit, un peu avant le coucher du soleil, on commence déjà, il commence à. La nuit, le soleil, la force du soleil est un peu moins forte, on commence à voir déjà à l'horizon, comme on a expliqué dans le cours, un des cours précédents, on commence à voir à l'horizon vers l'est, là où le soleil va se coucher, on peut déjà discerner la nuit. La lune, la nouvelle lune déjà. On est encore en journée, le Bedin, réellement, il pourra s'asseoir et dire, mais Koudash, cette journée-là, puisqu'on voit le renouvellement de la lune. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Donc de ce fait, si c'était 23, il faudra que deux, et qu'ils ont vu pendant la nuit, il faudra que deux se lèvent pour témoigner devant les autres. Si c'était que 3, 2 se lèvent, ils mettent 2 à la place et ils témoignent devant lui. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.